On se rapproche. On arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Tu m'étonnes, après le crash que t'as fait, le parasite que t'as chopé. Par contre, c'est vachement proche, en fait. Et genre, ils avaient jamais remarqué les ruines, ou... Si, quand même. Enfin... Mais s'il y a des trucs antiques, ils devraient être au courant, non? Ah, oh, ça n'a pas d'importance. Ce sont des pigus de paysans qui habitent dans le coin. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils voudraient se cultiver, ne serait-ce qu'un peu. Alors, de là à sortir de leur village. Hein. Bref, ça parle mal. C'est parfait. Salut tout le monde, je suis Inala, c'est les Lunics. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sixième épisode de Shadow of the Tomb Raider. Quelque chose sur le Pérou? Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Waouh, ça fait un gros... Je suis pas forcément hyper doué en géographie, mais je crois que c'est vraiment pas du tout la même région du globe. C'est quoi déjà l'énigme ? Chasser le cœur du serpent. À la montagne à couronne d'argent, où les jumelles devisent. C'est lapin. Si on avance bien dans la bonne direction, je sais pas, mais le système d'irrigation est plutôt un bon signe. Pas faux. Il y a eu des gens ici à un moment. Pourvu qu'ils soient encore là. Ouais. J'ai trouvé quelque chose. Un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation... Je vais attendre près du feu. Bon, visiblement, vu ce... Mais ça doit être étouffant. Oppressant. Mais visiblement, c'est pas par là que l'histoire continue. Donc tout va bien, on est bien. Lara qui se traîne dans le moindre petit trou qui se profile. Lara est un chat. Voilà, c'est ça. Lara est un chat. Elle peut passer la tête, c'est bon, elle s'y précipite. Zone inconnue des filles de tombeau. Ok. Ça en dessous, voilà. À moi! J'ai pour pouvoir préparer un véritable banquet. Oui. Ok, la paroi là-bas est escaladable. Tout va bien. Tout va bien, on est sur le... Enfin, non, on n'est pas sur le chemin de l'histoire, mais on est toujours sur un chemin balisé, on va dire. Oui. N'allons pas trop vite. Il y a des pièges. Oui. Ça va, ils sont visibles de loin, les pièges, en vrai. Je sais pas ce que je viens de récupérer, mais c'est à moi, maintenant. Non, tire-toi. Tire-toi, je n'utilise pas la carte. Je devrais... Ouh, punaise, mais... Hein. Je sais pas. C'est quoi, ça? Ah, c'est l'avion. C'est pas ce qu'il y a des plus lisibles. Oh là, j'ai cru que je l'avais raté. Ok. Whiz. D'accord, il faut pas maintenir. Il fallait seulement appuyer sur Alt et RT pour planter la corde. D'accord, je n'avais point compris. Oui! C'est à moi, ça. Il y a beaucoup de cadavres. Cet engrenage date du début du XXe siècle. Quel engrenage?
Le casque, en tout cas, oui. Quel engrenage? De quoi tu causes? Lara? Ou peut-être de ça, je ne sais pas. C'est peut-être un fossette et son teint de pain. Et tout ça, c'est pas intéressant. Oh, il était criblé de flèches. Ah, les autochtones. À moins que ce ne fût un piège. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. J'ai l'impression que c'est pas par là que ça peut, qu'il faut aller. Est-ce que j'ai raté des choses ou... Là, voilà. C'est ça que j'avais raté. Voilà! Bonjour! Je viens en paix! Je vais en paix, mais avec comme des armes, hein. Je ne suis pas stupide. Qu'est-ce que... Nouveau feu de camp, ok. J'ai aucune idée d'où est-ce que je suis. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. Toutes ces flèches plantées m'indiquent que je suis en parfaite sécurité. Ouais, j'y crois. Il y a quelqu'un? J'ai totalement confiance. Je suis sûr qu'on ne va pas s'amuser à se faire s'effondrer cet endroit. Non, ça n'a pas l'air d'être des pièges. Sur moi. Champignons! Qui ne sert pas du tout à empoisonner. Qu'est-ce que... Il n'y avait pas un truc qui est apparu, l'espèce d'un instant? Ah, tiens, une araignée. Parfait. Bon, bah, grimpons. Bon, bah, voilà, l'escalade s'est terminée. Voilà. Madame. Quelle vue fantastique. Il y a des de ces plans. Là. Ah, je peux pas aller plus bas. Yes. Yes. Aïe. Voilà. Là, on peut... Allez, là. Un mur indestructible. Appuyez maintes fois sur X pour détruire. Casse la barre. Genre, littéralement. Ça doit être la sortie. Ok, c'est pas ce qui nous intéresse. Oh... on descend. Et on va par là. Ou de l'or. J'ai déjà les poches pleines d'or, c'est ça que le jeu veut me dire? Ou c'est pas de l'or? Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Non, vas-y, c'est l'air d'être tout ce qu'il y avait ici. Tout va bien. J'ai cru pendant un moment que j'avais mis. Foiré. Bien, mais tout va c'est bien. Peut-être la sortie. C'est tout, il n'y avait rien d'autre à récupérer dans le coin? Wait a minute.
Wait! Non, c'est pas tout. Le petit... Là, je les remarque pas. Ça fonctionne. Oui, je l'ai. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un deuxième. Ok, les arbres, franchement, je les remarque pas tout le temps. Alors que pourtant. Ok, c'est bon. On y est. Shiny. Shiny, shiny. Shiny. Ouh, la lanterne. Et surtout, shiny. À moi, les thunes, je crois. Non, c'est pas des thunes. Ça, c'est pas une cape. Non, tout ça ne sert à rien. Ça, quand même. Voilà, le journal d'un explorateur. Voilà. C'est dommage qu'il laisse plus la possibilité vraiment de... Faire moi. De faire taire le truc. C'est dommage. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Ça. Quelque chose a bougé au-dessus. Ouais. Ouais. Faut que j'arrive à traverser le cénote. Qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi ce machin? Je ne sais pas. Non, qu'est-ce que... Ça se pousse. Allez! Ça se tire! Voilà! Et ben voilà! Tout de suite! C'est plus évident! Pouah! On est où? Parfait. Niap. Ils ont dû abandonner cet endroit pendant la construction. La construction? Mais la construction de quoi? Ouh. Je n'avais absolument aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Mais je vois pas quoi ça m'avance. Je n'ai aucune idée vraiment de ce à quoi ça m'avance. Il y a bien ça, mais... Quoi ça me sert ? On essaye des trucs, hein. J'ai aucune idée de ce que je fais, hein, pour changer. C'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Ça devrait tenir. Ça devrait tenir, pourquoi? Ah, tu voudrais, par exemple, que là, je repousse ce machin-là? La corde, elle va céder, non? Ne pas tomber, surtout. Wow. Heureusement que la technologie des ascenseurs a évolué.
carte, XP, matos, babiole, matos, truc qui traîne, scarabée, connaissance. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Oui, oui, on y travaille, on y travaille. On y travaille. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Chut, arrête de répéter, ça va être gonflant. Est-ce qu'on peut escalader ici? Pas du tout. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Et ça, ça n'accroche pas. Hein. J'imagine que si je me balance dans le vide, je meurs. Quoique. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur X. J'avais surtout vu en fait le celui du dessous. Tout va bien. Voilà, c'est celui-ci que j'avais vu. Ah, raté! Je devrais peut-être pas dire qu'il a raté. Hein. Voilà. Ouh. Qu'est-ce que c'est, Shiny? Tu vas pas me mordre, hein? Shiny, disais-je. Donc, après la recette du paracétamol, la recette de... Bon, cherchons la sortie. Améliore vos compétences d'escalade en vous permettant de traverser l'environnement plus... Oui, ça, c'est intéressant. Par ici, rien d'intéressant, d'accord. Allons voir quand même un petit peu ce qui se trimballe là-haut. Y a rien qu'un type mort, même pas mis dans un... Oui. Oh bordel, c'est un truc sacrificiel, je viens de comprendre. Bref. Je dois dire, c'est pas mal stylé le sang qui s'écoule dans la gueule du serpent, tout ça. Yep, on y est. Ouh. J'espère que Jonas m'a pas oublié pendant le temps que je n'étais point là. Imaginez un petit peu le plongeon. Là, c'est de la flotte. Imaginez le plongeon d'ici. Ok, c'est beaucoup trop dangereux. Mais bon. Ah, merci de me l'avoir dit parce que je l'avais pas du tout vu. J'allais faire le saut dans le vide. Oup, oup, oup. Ah, je suis même pas pleine de boue. Je suis jamais venu dans le coin. J'étais pas passé par ici. Bon bah j'étais pas... Hop hop hop, j'avais oublié ça. Oui. La tyrolienne. Ah, c'est l'entrée. Au final, le type qui scrutait, on l'a pas vu. Il a juste voulu nous faire peur, mais... C'est tout. Ok, c'est reparti pour étouffer. Quelle personne saine d'esprit verrait un passage comme ça et se dirait, vas-y, je vais m'y faufiler. À part les chats. Oh, bordel. Phew. On peut respirer. T'as trouvé quelque chose? Encore un hôtel Maya et puis... Et puis quoi? Un vieux campement. En ruine. On devrait continuer. Ok. Ouais, mais deux petites secondes.
Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Surtout après ce que Miguel... Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentrés si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. Ouais. Comment on saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue? Des ruines mayas, ça se remarque, tu crois pas? Ouais. T'inquiète, au pire, je serai là pour te guider. Résister aux dégâts, blablabla. Ça, en vrai, ça pourrait être intéressant. Ouais, rien de bien. Il y avait un lapin, j'ai pas rêvé. Il y avait un lapin qui... Regardez ce lapin qui vient me provoquer en se posant juste à côté de moi. Bref. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode... Silence ! Vous a plu. Oula, ça a l'air bien sombre. Moi, je vous souhaite à tous une agréable... Je peux plus rien prendre. Ouais. Une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.